plus qu'à là. Alicia s'est fait plaquer. Elle veut annuler sa collection. On va tous exploser là. Mais dégagez, plus d'inspiration. Ne me dites pas que tout va mal avec Alicia parce que ce serait irrecevable. Tout va bien. Je la serre. Ne me dites pas que tout va bien avec Alicia parce que vous n'osez pas m'avouer que tout va mal. Tout va bien. Elle finit sa collection. Est-ce que vous avez approché de suffisamment près le monde de la mode pour dire que ce qui est montré d'un chic est, propose une sorte de vérité? C'est que de la... Alors, je sais pas, le monde de la mode, j'aime pas trop les généralités, mais moi, je me suis inspirée, en tout cas, de quelques histoires qu'on m'a racontées, de choses, d'histoires vraies, de femmes ou d'hommes pris comme ça dans les feux d'un enjeu financier colossal avec une deadline. Est-ce que ça pouvait créer comme agressivité, comme craquage, beaucoup de gens qui pleurent dans les toilettes, il paraît, ça arrive. Ouais, et puis qui ressortent formidablement pomponnés, merveilleux et tout ça. Moi, je ne donnerai jamais le mot chic pour la mode. Ce serait plutôt une attitude dans la vie, un geste, une démarche, une phrase. Parce que chic, vous le dites quand c'est déjà trop tard. C'est quand vous vous êtes retourné sur quelqu'un dans la rue et qui dit « Ah, il est chic », parce qu'il a fait quelque chose. Vous assistez de temps en temps au défilé? Oui. Vous aimez ça? J'adore, c'est trop court. Moi, j'aimerais bien que ça dure plus longtemps. Oui. J'adore la musique, j'adore ce que ça dégage et tout ça, mais c'est beaucoup trop court. J'ai pas le temps, moi, de les voir les vêtements. Vous avez le temps de voir les vêtements? Pas du tout le temps. On voudrait... Attendez, excusez-moi, pouvez... Mademoiselle, venez me voir. Faites voir ces chaussures, c'est pas mal. Mais alors, j'aime pas l'idée qu'on nous voit en train de regarder. Vous comprenez? Oui, être spectatrice. Tu vois, c'est comme d'aller aller dans un festival, aller tous les jours au cinéma du matin jusqu'au soir, mais qu'on vous pose pas de questions dessus. Tu vois, être comme l'ouvreuse du cinéma. Mais pas qu'on ait un commentaire. Vous vous souvenez de la première tenue, ou une robe, ou une jupe, qui, enfant ou adolescente, vous a fait rentrer dans l'âge adulte, où tout d'un coup, on se regarde dans la glace et on se dit, oh là, vertige. Je me souviens de ma première robe longue, et que je n'avais jamais voulu qu'elle soit blanche. J'avais voulu qu'elle soit noire, en velours noir, et qu'il y avait beaucoup de cris à la maison, mais que j'avais obtenu gain de cause. Et que la première fois que j'avais mis cette robe en velours noir qui tombait jusqu'aux pieds, je me suis dit, la vie ne va pas être facile. Alors moi, je me force à rentrer dans l'âge adulte et ça ne marche pas. Donc j'ai tout essayé. J'ai beau mettre, vous voyez, là j'ai une veste comme assez chic, on peut dire, hein, avec des talons, j'ai l'air un peu comme ça, mais j'ai toujours l'air d'avoir 14 ans. Donc j'ai mes trucs de mes pieds de travers, j'arrive pas à rentrer à l'âge adulte encore. Mais je continue à faire des essayages de vêtements. Ça marche pas du tout. Fanny Ardant me fait penser, je ne sais pourquoi, mais vous allez peut-être me l'expliquer, à Mia Michael, votre maman. Est-ce que je suis dans le vrai, je suis dans le faux? Physiquement. Les cheveux. Je sais pas, si je me rends compte de ça, je serais devenue terriblement familière. Ça aurait été très gênant. Maman! L'eau de Mia, elle est douce. Vous pas? Pas autant que je voudrais l'être. Mais j'ai tourné avec l'eau de Mia. Et je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup ri avec elle. Beaucoup ri? Ah oui. Tu vois? Même parce qu'elle était inquiète. L'eau de Mia, elle est d'une nature inquiète et tourmentée. Et que tout d'un coup, moi j'avais... Mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas Hiroshima, tu vois? Donc, d'un seul coup, ça déclenchait les choses.